blanco y negro tiene que ver con el proceso de escritura, porque mientras yo escribía, un amigo mío, fotógrafo documental peruano, me enviaba fotografías que tenían que ver con el tema, y todas sus fotografías eran en blanco y negro. C'est le choix du noir et blanc, c'est par rapport à, au procès d'écriture qu'il a suivi. Pendant l'écriture, son ami lui montrait quelques photos en noir et blanc. Et c'est comme ça qu'il s'est inspiré pour l'écriture et ça a resté pendant le tournage. Et luego se hizo más importante aún porque generaba un cierto hermetismo en relación a la historia. El blanco y negro siempre. Après aussi, le noir et blanc crée une certaine distance qu'il fallait creuser. Et donc ça aide à l'idée de mythe qu'il voulait montrer avec le film. Et le ratio, le 4x3, la película se basa mucho estéticamente en la fotografía documental en blanco y negro peruana. Y el 4x3 nos permite una dimensión más fotográfica en ese sentido. Le ratio 3x4, ça renvoie à la photographie péruvienne. En blanco y negro. En blanco y negro. Cierra la imagen. Estamos acostumbrados a imágenes muy elongadas, horizontales, y este ratio cierra la imagen y nos quita un rango de visión, ¿no? Hay muy poco diálogo también. Le rapport avec les origines du cinéma, c'est cette chorégraphie des corps dans cet espace limité. Comment on fait l'action par rapport à ce cadre limité et aussi comment on pense le dialogue, comment se pensent les dialogues. Que hay muy poco diálogo en la película. Il y a très peu de dialogue comme dans les origines au cinéma. Y es más, el sonido contribuye mucho con eso también. Absolutely. Hay mucho sonido de fuera de cuadro. Absolutamente. De los cuerpos. El movimiento de la cámara no está subordinado al movimiento del cuerpo. La cámara puede tener un movimiento distinto que el del cuerpo. La cámara un movimiento libre, pas par rapport au corps. No, mais par rapport au décor. Pero por el fondo, la decoración. Ah, no, sí, con la decoración. Es que lo importante es que no está subordinada al movimiento del cuerpo, ¿no? El cuerpo puede salir del plano y volver a entrar al plano, y la cámara puede tener su propio movimiento. La cámara va teniendo un discurso en contrapunto con la luz, el sonido, la decoración. Uh-huh. Sí, peut-être. Peut-être, pas sûr. ¿No es seguro? Tal vez.
Pues yo creo que hace parte de una línea de cine, quizás no tan actual, quizás un poco más modernista, ¿no? Je pense que ça fait partie d'un type de cinéma pas très actuel, mais plutôt moderniste. Hay mucho, sin duda, mucha influencia del cine soviético. Il y a beaucoup d'influence du cinéma soviétique. Ah, pues puede tener relación, sí. Ahora, hay algo, creo, importante en relación a los personajes que poco a poco van cobrando voz o tienen la posibilidad de decir algo. Y en la película misma hay personajes que van Dans le film, c'est encontrando la important de forma dire que de les poder decir algo personnages dentro de la qui sont película. dans le film, No ils están ne listos desde savent el pas principio comment dire leurs idées para ou decir algo. s'exprimer La au película début. tiene que Mais transcurrir le para que film doit se dérouler podamos escuchar pour su qu'ils voz. puissent dire ce qu'ils ont à dire aux autres. El San Gregorio, ¿te refieres al canto fúnebre? Tu veux dire ces chants funéraires? Oui, c'est ça, ouais. Sí. Sur la notion de la terre, sur la notion de. Sobre la tierra. Es de la región, son los cantos y los mitos son de la región de Ayacucho. Le chant et les mythes sont de cette région de Ayacucho. Qui se trouve où, géographiquement? ¿Dónde se encuentra? Que está en el sur peruano de los Andes, el sur peruano en los Andes, ¿no? C'est au sud du Pérou, dans la chaîne des montagnes Les Andes. Yo pensé todo el tiempo en el pacto de confianza, que fue lo primero que quise establecer con ellos. Yo pensé, pardon, j'ai pensé à la confiance que je voulais établir dès le début avec eux. Pero como un pacto. Mais sous forme de pacte. Y no, entonces no hablábamos mucho de la película, pasábamos tiempo juntos, sí, les contaba cómo iba a ser el rodaje un poco, pero no hablábamos de los personajes, no hablábamos de las escenas, hablábamos de que iban a venir cámaras, que cómo iba a ser la dinámica, cómo iba a ser el juego de hacer cine, pero no hablábamos directamente de la historia. Les caméras, un peu comment ça allait se passer, comme si c'était un jeu, mais on parlait pas vraiment du film des personnages. Y con eso a mí lo que me importaba era establecer esa confianza para que luego pudieran ellos aceptar el pedido. Et pour moi, ce qui était important, c'est avec ça établir la confiance avec eux. Pour pouvoir leur demander après de jouer. Fui durante 5 años, estuvimos yendo al pueblo. Pendant 5 ans, j'ai fait des allers-retours au village. Y 3 meses antes del rodaje decidí hacer el casting para los niños. Et 3 mois avant le tournage, j'ai décidé de faire le casting pour les enfants. Y el casting fue un taller de actuación. C'était un atelier d'actuation. En el que yo iba entrando con la cámara. Et moi j'allais avec la caméra.
Y ahí sélectionné un grupo pequeño. Et là, j'ai pu choisir un petit groupe. Y la primera prueba que hice con cámara con ellos ya era perfecta, ¿no? Dès le premier essayage avec la caméra, enfin, c'était parfait. Alors, il y a aussi un autre personnage qui est important dans le film. C'est la forêt et c'est les décors. En primer lugar, era importante establecer también un pacto con los espectadores y decirles qué tipo de película era la que iban a ver, ¿no? C'était important, dans un premier lieu, d'établir un pacte avec les spectateurs pour leur dire qu'est-ce qu'on allait voir. Et quel type d'immersion íbamos a necesitar, que era une immersion en algo que iba a trascender únicamente la imagen, ¿no? Et quel type d'immersion on allait utiliser, qui était quelque chose qui allait traverser l'image. El color es muy publicitario también. La color es muy publicitaria. Y los Andes peruanos son publicidad para turismo, ¿no? Color. Y los Andes peruvianos son de la publicidad para el turismo. Entonces, eso era importante, no tener una publicidad turística en la película, ¿no? En primer lugar. On voulait surtout pas avoir une publicité touristique. Pero no era cualquier blanco y negro, ¿no? Mais c'était pas n'importe quel noir et blanc. Era un blanco y negro de contrastes fuertes. C'était un noir et blanc avec beaucoup de contrastes très forts. En el que la luz iba determinando lo que efectivamente podíamos ver. Dans lequel le blanc nous laissait voir ce qu'il y avait dans l'écran, mais où le noir il était très fort et du coup on avait des noirs très profonds, très obscurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'il s'est inspiré aussi de films en noir et blanc dans le cadre, dans la texture du noir et blanc, quoi, de la pellicule, de la perception? Non, principalement en la photographie documentale en blanc et noir peruana. Non, c'est surtout, il s'inspirait surtout dans la photographie en noir et blanc péruvienne. Documental. Documentaire. Y especialmente la de uno de los dos directores de fotografía, que es Musu Knolte. Et surtout dans la photographie de Musu Knolte. Knolte, un des chefs opérateurs. Il y a une école importante au Pérou, une école du documentaire. C'est quelque chose de... Se podría decir que hay una tradición, más que una escuela específica. On peut dire qu'il y a plus une tradition qu'une école spécifique. Que tiene en una figura como Martín Chambi, por ejemplo, un exponente importante de esta tradición. On a, par exemple, Martín Chambi, un exposant très important de cette tradition.